Après 10 ans de débat pour ou contre la MINUSMA, le débat est clos. Kumate, Mimbe ou MINUSMA Kataïde. Onoka, Jumanata, 14h, Malido Aménion sur le boulevard là. Nayon sur le boulevard là, Métrama. Kata, Femme Metalique, Tour d'Afrique là. Au Kononana. Ami fait djemoro kaka chéréri mi mbetalike mali nyemoro ya foli minke communisme kata jama boli kundama jama kala seli jama bi boni funteni mie akado djemoro fe koné mali dembe ka kuma dish lota antu me kala min kono kala in famuga no ni ko bela jele a famu ye munye kala nana bi an kan do de sababula. Quel est bien quand on voit Timina Ama Maye? Faut qu'elle n'en a assez, Jamana la ka Jamana bin. Jamana biné, on voit Timina, Dien Benana. Dien Ben Manakanga douye, parce que nous avons dit que nous avons dit que nous Manaka, dit que nous demain, parce que nous avons dit 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 que nous avons Ame minka njugo luto kanjuge. Ame minke kele fraye olu mogo foto la. Oh, olu fin fin nana. Mime taleke MINUSMA la. Mime taleke Barkana. Mime taleke Takubala. Mime taleke G5 Sahel la. Mime taleke Antado ou ye feware minisige eitemu nunu ni eikade nunu. Ni mbe nou ye servale. Ni ye ni jamakulu be franyon kan keleba amunu fe ane mayon febliye. C'est comme n'a pas 7 ans, nous sommes bêtés. 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 C'est pourquoi on a dit la France entre aide au Mali et aide au terrorisme constitue le moyen essentiel des forces qui détruisent la paix au Mali. Finalement, on a analysé le mécanisme des Nations Unies. C'est un mécanisme qui ne vise qu'à maintenir nos différents pays dans un système de guerre sans fin et sans objet. On était pris entre les ténèbres d'une criminalité jamais égale au monde. On aspire à la paix. On aspire à la sécurité. Et à l'époque, quand on a demandé aux autorités de faire extrêmement attention, parce que c'est notre souveraineté qui est notre bouclier. Et les autorités d'alors nous ont répondu que nous avons le choix entre la sécurité et la souveraineté. On leur a demandé, est-ce que vous pouvez nous donner la différence concrètement? Est-ce qu'un pays peut prétendre être souverain et ne pas être capable de se sécuriser? Est-ce que cela est-il possible? Non, ce n'est pas possible. Ambora, le Premier ministre Sogal Kokala Maïga a rencontré, il dit que le peuple malien est qu'on a atteint un point de non-retour. Qu'on sera en Europe, qu'on est en Tongo, qu'on est au final. Qu'on est en Bachite, qu'on est en Sede. Quand on est en point de non-retour, qu'on est en Kerabi. Qu'on est en Asimi Goïta Togola, qu'on est en Malien Bey. Ko ministre ka bo an ka jamana kono sans délai ko korore ta la de ku ka segi 600 kana siguni malika kuma u beta don djume nu ko ko u ka ministre ki jemi mondele mesenu ko o waragali be kle tan duru ta kanga expert u beta la jana nga technicien ko est-ce que abse ka ke kle tan kono wa ko no ko kle tan ko be fo ay ta kle tan kono ko de sans délai koroy ko ko de fo peuple malien ko de aji ko wa ko laje ko mamunu golewule me alibi ame mali fara ambe bi malika e mercenaire ga do maliko no ko ba ye ko ni ministre tara ko oyo benno gale anka jamana ko no ko ko de la se malido oh ambe kemi se ba fo aye mali jugoro ma dondoni mi ke kabiri kunu ou personne ne croyait à cette lutte là. Il a cru depuis belle lurette, il a toujours été là. Mali demain. Donc, ce n'est pas au moment des victoires d'étape
On doit jamais perdre cela de vue. Il a été d'un soutien immense et historique aux côtés du peuple malien. Mali bina guerre qu'on a pendant plus de 11 ans. 11 ans de guerre. Moromou nyan demain. Nango ango moko follow bo djien kono. Kemi Seba fait partie des premiers. Mounounye Mali demain kasega Mali ka crise. Donc c'est extrêmement important. Ango wale nyman donc kemiye. Et Djoumado. Quand les Maliens sont venus, ils sont venus à partir de 14h. Papa Loba. Et Quand on a fait le 23, au service dévoué du peuple malien. Donc, on a été en train de faire ça. C'est là, bête et tiens. Au Kono Asimia, il y a les mains. En Molo Kouka, Minan Tchè Gwara Gwara, l'Osan de l'Ebamanangan et Gwara Gwara. Kouka Ta Gwara Gwara. Au Kono Angwa, me boka Asimi Fou. Anaga Colonel Duroube, Maliki Djaou. Sadio Kamara, Modibo Kone, Ismaël Ouagé, Ani Sente Bé, Ani Gouvernement Bé. Qu'ils sont en train d'écrire l'histoire du Mali et de l'Afrique toute entière. Donc vendredi au appel de B, c'est l'appel de l'honneur et de la dignité. Nous sommes présents ici parce que le Mali vit une heure cruciale. La demande du départ de la MINUSMA est une demande qui va bien au-delà du souhait de voir une armée étrangère partir. Cela va dans le sens de l'avancement de l'agenda et l'avancement du processus d'autodétermination intégrale de la nouvelle génération africaine. Quand on parle de la MINUSMA, on parle du bras armé de la communauté internationale. Mais la communauté internationale n'est rien d'autre en réalité que le synonyme de l'oligarchie occidentale. Pourquoi imposer chez nous ce qui ne peut pas être imposé chez eux ? Il n'y a que chez nous qu'ils pensent que nous sommes le laboratoire où ils peuvent imposer, importer leur armée. Ces armées n'ont rien fait pour nous. Ces armées ont empiré la situation pour nous. Ces armées ont fait en sorte que la déstabilisation a augmenté chez nous. Et donc quand les autorités maliennes, soutenues par le mouvement héroïque Yéré Wolo, demandent le départ de la MINUSMA, il est du devoir d'urgence panafricaniste que je préside, d'être aux côtés du peuple malien, d'appeler au soutien international vis-à-vis du Mali et de rappeler que nous soutenons, c'est très important, et de rappeler que nous soutenons un principe. Certains nous disent qu'Emi, vous êtes trop liés, amoureux, aveuglés par le régime malien. Je dis, nous ne sommes pas attachés aveuglément à des hommes, mais nous sommes attachés aveuglément à un principe. Tant que le gouvernement malien défendra la souveraineté africaine, tant que le gouvernement malien défendra l'autodétermination, tant que le gouvernement malien défendra le droit pour le Mali de décider de sa propre destinée et le droit pour les Africains de décider de leur propre destinée, urgence panafricaniste sera aux côtés du Mali jusqu'au bout. Je terminerai mon propos en disant que on nous a appris qu'on ne pouvait rien faire sans l'Occident. Mais ce 21e siècle va être l'illustration que l'Afrique peut se débrouiller par elle-même, pour elle-même, pour sa propre destinée. Nous sommes les parents de l'humanité et ceux qui ont cru que nous étions les enfants vont devoir se rappeler que l'Afrique peut se débrouiller par elle-même et peut montrer au reste de l'humanité ce que veut dire le principe de souveraineté.